Lors de l'événement, diverses parties prenantes en Zambie se joignent à la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2023, qui s'est tenue sous le thème « Laissons les communautés diriger ». L'événement visait à sensibiliser au rôle important que jouent les communautés pour garantir que le pays atteigne son objectif de zéro nouvelle infection d'ici 2030. Comme vous pouvez le constater, le thème de cette journée mondiale de lutte contre le sida est vraiment d'établir ce lien avec la communauté pour garantir que cette lutte soit réellement menée par la communauté. Comme vous le savez peut-être, beaucoup de ces activités se déroulent au sein de la communauté, donc combler le fossé au niveau communautaire et ce qui se passe au niveau des établissements en garantissant qu'il y a cette appropriation communautaire, je pense que c'est la voie à suivre. Au vu des statistiques et des indicateurs, nous sommes sur la bonne voie. Ce dont nous avons simplement besoin, c'est de nous assurer que nous amenons la communauté, comme le thème le dit, à diriger. Ce qui signifie que la communauté doit être à l'avant-garde pour garantir l'adhésion, la prévention. Veillez à ce que les personnes diagnostiquées suivent un traitement. Le 1er décembre marque la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée mondiale a été choisie à l'échelle mondiale pour que tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le VIH se réunissent pour commémorer les progrès qu'ils ont réalisés au fil des ans et également pour relever les défis majeurs auxquels le monde pourrait être confronté et sur lesquels nous devons nous pencher à l'avenir. Au cours des dernières décennies, la Zambie a réalisé des progrès dans la gestion de l'épidémie de VIH au niveau de la population adulte elle-même et dans la lutte contre le VIH. De nombreux progrès ont été réalisés jusqu'à présent. La Zambie compte plus de 1,2 million de personnes actuellement sous ARV et plus de 90% d'entre elles dans la ligue supprimée. Mais la Zambie est toujours confrontée à de nouvelles infections chez les femmes et les adolescentes et doit contrôler la transmission de la mère à l'enfant.